Syndicat personnel administratif dans l'Université d'État d'Haïti critique décision conseil université à prendre pour mettre campé ça relève une police en dedans université. Et puis office protection citoyen commémoré journée aujourd'hui date anniversaire Martin Luther King qui sont journée férié dans pays États-Unis, c'est occasion et pour et protecteur citoyen Renan Edouville prend la parole pour demander pour l'État pencher sur quatre citoyens ça qui travaillent pour travaux publics qui périt dans tragédie sous champ de masse non. Il dit pas normal jusqu'à présent pas j'aime prendre contact avec famille et moun sa yo. Et puis Gemba au Port-au-Prince qui signe un accord avec Universal Motors pour vendre avocat yo machine. Dans occasion ça n'attendait pas patron Universal Motors non et qui c'est docteur Reginald Boulos ensemble avec bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince maître Stanley Gaston. D'ailleurs Boulos fait connaître il ouvert pour toute l'autre association professionnelle qui capable aller dans même sens avec Bao. Marketing direct. Dans actualité internationale Donald Trump nous dit toujours continue à dire que il pas un monde qui raciste et haïtien ont commencé à manifester depuis week-end passé en Floride, jeudi à même c'était dans Bocaidi, Mar-a-Lagoa te gen manifestation qui finissant incident et président américain ouais manifestant yo d'après information nous joigne et depuis environ une heure temps gon rendez-vous cassé dans Times Square et côté haïtien dans New York yo et avec l'autre monde qui contre et comportement raciste là de magistrat et ville New York là déjà appuyé manifestation ça qui a fait jeudi à contre déclaration Donald Trump fait côté jeune connaît le traité pays a et puis gagnent une décision la justice prend et c'est concernant soldats français étaient accusés qui violaient timon dans République centrafricaine et bien la justice déclaré que yo innocent selon la justice française. Mais Fardou dit jeudi a gros mouvement grève dans toute prison dans pays la France pour mauvais conditions monde qui a travaillé dans prison a travaillé mauvais conditions pile et prison dans pays la France dans pays la France tout un scandale et sanitaire une plus gros compagnie qui vend lettre pour petit bébé à travers le monde Lactalis et bien lettre dans les contaminés et journée jeudi a c'est 12 millions boîtes lettres dans plus que 80 pays que doit retirer sous marché et selon notre gouvernement haïtien à travers ministère et qui concerné yo et n'a pas dans commencement journal là yo mandé tout pour prendre précaution à clet ça qui vend son l'autre nom que Celia yo vend son nom Celia en Haïti. Et puis Venezuela il y a plusieurs monde qui perdu la vie dans cadre offensive gouvernement lancé contre salaire des terroristes mais en vérité c'est un soldat qui a bail problème que tu as cherché pour te joindre depuis longtemps. Invité journal 4 a c'est ancien ministre haïtien qui a vécu dans pays étranger à la tête fondation Zibé Edwin Parizo sous déclaration raciste président américain l'a gagné pour répondre question Beethoven François fils. Ces informations ça y a quand pilote nous va gagner pour développer pour après-midi dans journal ça. Nous allons prendre dernière nouvelle temps dernier bulletin unité hydro météo préparé chaque jour et Christette va présenter. Bonsoir Christette. Bonsoir Liliane, bonsoir Wilson, bonsoir toute équipe là, auditeur radio tout ce nous salue nos chats. Mais comment situation météo a présenté dans Caraïbes là sous Atlantique là, nous n'ayons pas de mouvement qui est urgent humide. Ça vient suite à fait qu'il y a un front froid qui est retrouvé collé sous la partie orientale pays Cuba qui affectait face à l'ouest région Caraïbes blanc, ça qui fait nous un temps qu'il y a un soleil, qu'il y a un nuage qui a développé, il y a un nuage encore froid soya. Température qui est collée par la journée, sauf 28 jusqu'à 32 degrés Celsius, même dans la nuit là, nous constatons qu'il commence à faire frais, et bien il y a continué à faire frais toujours, côté nous sommes d'après jusqu'à 22 degrés Celsius en moyenne. Activité rapide à bras poursuivre dans quelques côtés, dans le département Grand-Est, Sud, Sud-Est, NIP, avec Nord-Pays, pour Assoya. Pour Port-au-Prince, à la zone qui entoure nous avons Port-au-Prince qui toujours le soleil, il y a nuage tout, il y a nuage l'après-midi toujours à Assoya. Température est élevée pendant la journée jusqu'à 32 degrés Celsius, mais la continuité est un petit genre fret dans votre présence.
Assoya jusqu'à 20 degrés Celsius. Activité la pluie dans quelques côtés dans Port-au-Prince, c'est ça qui était possible pour Assoya. Pour la meilleure, nous avons des voiliers. Précaution, zone côtière nord, Flamora, surtout zone côtière sud. Soleil a couché après-midi à 5h33, le lever demain matin à 6h25. Demain matin, après-midi, il y a un temps bien soleil, il y a possibilité tout pour nous recevoir quelques groupes rapides, mais c'est surtout tête monde nous. Na promesse Liliane Wilson, toute équipe là, auditeur Radio Kiskeya, nous souhaitons passer une agréable fin d'après-midi, en tout excellent semaine positive. Rendez-vous en passe pour demain pour notre information qui est pour loin dans affaires météo. Bonne fin d'après-midi, Liliane, excellente semaine. Si Christophe, dans la demain. Merci Liliane. Oui, d'abord, il y a une note ça qui est extrêmement importante concernant l'aide en poudre pour petits bébés qui sortent dans le pays de la France et groupe Lactalis et vivent en Haïti sous nom Celia. L'aide ça pas bon pour petits bébés. D'ailleurs, dans tout pays, il y a vendre l'aide ça plus que 80 pays. Autorités françaises ont ordonné compagnons pour faire ramasser l'aide ça pour jeter yo, parce que ils ont contaminé. Et ministère commerce et industrie, ministère santé publique et population, voulez faire population en général connaître et pour dire que autorité dans pays la France yo bloqué à faire lettre qui fait dans pays yo et lettre groupe Lactalis Nutrition Santé et FEA qui en Haïti lettre ça relève Celia et yo lettre ça yo entré yo contaminé ak yon poison yo relève salmonelle. Et donc pas rien doit bay ti bébé et yo mandé moun yo pas acheter lait ça pas servi avec li pas bay petite nous lait ça li pas bon c'est ça tout le ministère yo précisé bien que ça gen quelques jours depuis dossier ça parlé c'est jodi a seulement autorité yo et bay avertissement ça mais gen plus que 80 pays qui concerné et selon compagnie française là qui dit que acheter lait tamen la parlé de 12 millions boîtes lait. Il y a ramassé dans toute pharmacie, dans tout magasin, dans toute market côté au vend lait ça. Et il y a une disposition selon gouvernement ici à travers deux ministères santé publique et commerce à prendre d'après ça on dit pour retirer lait ça sur marché là, bien que pas précision comment il y a retirer si il y a vendre dans la rue machin qu'a vendre est-ce qu'il y a retirer yo qui a fait et yo dit que aucun commerçant pas autorisation pour distribuer ou bien pour vendre lait ça pour éviter problème santé et pour timoun yo. Si c'est pas ça les petits bébés et il a tombé en bas la loi et qui donc la loi a tombé sous yo selon ministère commerce industrie et ministère santé publique qui dit le compte sous bon comprendre tout le monde pour yo pas servir avec l'être là pour commerçant yo pas vendre l'être là. Donc c'est docteur Pierre Marie Dumeny qui c'est ministre commerce et industrie et docteur Marie Greta Wa Clément qui c'est ministre santé publique et population qui signe. N'ap vini ak dossier Donald Trump lan jodi an ki se yon jounen férié nan niveau fédéral ki donc nan tout pays États-Unis pour rendre hommage by Dr. Martin Luther King. Nou konn été assassiné nan kat bataille li tap menen pour noir yo nan pays États-Unis. Alors président Trump fòk nou di communauté haïtienne yo depuis weekend passé a te commencé mobiliser nan Floride te gen premier manifestation. Gen yon lot manifestation ki fèt jodi a bon kote résidence président nan zone West Palm Beach ou résidence secondaire et que c'est là le dépassé weekend ni et li wè manifestant nan moment la passé li wè yo même et donc quartier milliardaire et côté kay Donald Trump yè a mais te gen partisan Donald Trump tout et tout ces blancs qui te vinn manifester pa gen ken incident mais te mandé haïtien sa yo retourner la kay yo et d'après information nou jwenn nan men kèkan konfrè. Et nan moment n'a parlé là, ta supposé manifestation nan Times Square là nan New York supposé commencer, te prévoit t'a commencer à 3h et c'est pas seulement haïtien y a tant nan manifestation ça qui gen appui magistrat démocrate là Bill de Blasio et nan cadre levé campé contre et déclaration comportement raciste président américain. Cependant, Donald Trump a défendu tête li. Li fait qu'on a l'autre fois encore pendant week-end ça et que li sont monde qui pas raciste du tout li pas jam dit parole ça yo que et pourtant plusieurs monde qui te la rapporté plusieurs fois et nan moment côté États-Unis a célébré une héros bataille pour droit
citoyen noir, yo particulièrement dans pays États-Unis, il est sa droit civique, pasteur Martin Luther King Jr. Polémique là en vrimain, débat sur question statut plusieurs centaines de milliers immigrants dans pays États-Unis. Et côté tous deux partis, républicains et démocrates, tu as supposé jouer un accord pour empêcher Donald Trump de déporter près de 700 000 jeunes, excusez, qui étaient entrés dans le pays États-Unis avec famille. Donc, il n'y a pas de responsabilité, il y a des timons. Et côté que le gouvernement Obama a eu protection pour étudier et puis pour travailler dans le pays États-Unis. Et depuis qu'on trouve privé, tout ça, Obama a fait, il dit pas bon, il n'y a pas d'intérêt américain à craser. Et il a déjà pris une décision concernant. Et dossier ça. D'ailleurs, il baille parlementaire un mois et demi pour avoir une solution dans le dossier. Et moi, pas raciste du tout. Moi, c'est un monde qui est moins raciste que ou capable de faire une interview avec elle. Déclaration Donald Trump, et qui t'a répondu à une question plusieurs journalistes et américains dans le club golf là dans West Palm Beach, et hier, dans Floride. Et côté que t'a dîné avec chef majorité dans la Chambre représentant. Et qui est le président de la Chambre des députés, qui c'est Kevin McCarthy. Et déclaration ça, et il continue à défendre tête, et par rapport à la polémique, déclaration de faire sur Haïti, sur le continent africain, et sous parole que le président a dit jeudi dans une réunion avec les parlementaires, pour qui ça, les gens qui sont dans le pays de merde, ça, qui ont venu ici, et pour qui ça, les gens qui sont en Haïti, en Afrique, en Salvador, c'est ici qu'ils sont venus, pour qui ça, il n'y a pas de monde. Qui sorti Norvège que l'on cherchait. Milliardaire là continué et depuis vendredi a passé sorti et dans salle trouvé là et il dit que il te parlait très dur, il reconnaît que parole était très dur, mais cependant plusieurs élus qui c'est républicains, qui c'est opposition démocrate qui était là, ils ont tout confirmé et reconfirmé que monsieur te dit. Il y a monde qui a menti deux monde, mais est-ce que tout monde ça qui rapporte une information et puis c'est faux? Depuis que il est entré dans la politique dans le mois de juin 2015, et bien c'est plusieurs fois déjà étiquette raciste là, il mettait sous lit pour comportement que il gagne. Pendant la campagne, il était accusé pays Mexique d'après avoir livré un pile criminel qui a violé femme dans pays États-Unis. Et ça a déclenché un levé campé dans pays Mexique et dans toute Amérique latine là. Après ça plusieurs fois, il attaquait musulmans jusqu'à ce qu'il prenne décision pour empêcher entrer dans le pays États-Unis. Dernièrement encore, il retweeté des vidéos et anti-musulmans. Et yo croit que moun ki te voye tout ça yo c'est des moun et qui c'est des racistes. Dans mois d'août qui s'est passé là, il pas condamné à clair manifestation néo-nazi yo, ça les suprémacistes blanc yo. T'a fait écouter aux jeunes dames de perdre la vie, elle était fonce machine sous lui. Ça le jeune pour te dit, gay bon moun tous les deux côtés, ni bon côté néo-nazi yo. Ni pas côté monde qui pas d'accord avec les nazis. Alors aujourd'hui dans occasion journée férié ça en l'honneur de Martin Luther King, en pile parole a prend tout partout dans pays États-Unis, en pile mon a puisé dans pensée pasteur Martin Luther King Jr et que honoré à jour férié dans pays États-Unis pour yo capable voyer message qui adressé directement by président Trump. Ancien candidat républicain pour place président dans l'élection, Mitt Romney, et qu'on s'est parlé de et mémoire pasteur Martin Luther King Jr. et expliquer que et sentiment et que et Trump a baillé concernant États-Unis, c'est pas bagarre qui marche avec histoire pays États-Unis. Il dit ça pas cadré avec histoire américaine. Et nous capable dire son antithèse même qui dépasse avec valeur et peuple américain selon ancien gouverneur, ancien candidat à la présidence qui est capable candidat pour poste sénateur. Et puis il dit quel que soit pauvreté un monde qui émigré dans pays États-Unis qui a demandé un statut immigration dans pays États-Unis et ça pas rien pour elle ni avec origine ni avec pauvreté pays. Et d'après ça il tweet il dit dans Twitter sous compte en Twitter en parlant de Mitt Romney. Et jodi a gen basketteur vedette LeBron James qui grand pile fanatique en Haïti qui estime que Donald Trump li lagué moun ki raciste là, li décomplexé yo, li ba occasion pour camper sur la place publique pour faire ça au pipito. Alors que plusieurs milliers événements a fait dans tout territoire américain tout partout journée jodi a pour commémorer Martin Luther King, li déli pour célébrer pour rendre hommage by héros lutte droit civique yo
qui était mouri en bas balle jouté 4 avril 1968 là en pile monde dénoncé Donald Trump une autre fois encore le fait que le pas présent dans quelle cérémonie ça yo non message qui était prêt enregistré sous vidéo président américain mettait dehors journée jeudi à sous compte Twitter il parlait de pasteur Martin Luther King et yo il dit que message pasteur Martin Luther King non pour justice pour égalité et pour liberté yo doit continuer et Donald Trump c'est un bruit un raciste et nous connaissons comment yo traité bruit yo c'est ça une sénatrice démocrate Elizabeth Warren déclaré pendant un rassemblement qui t'a fait dans l'honneur Martin Luther King dans Boston d'après ça journal Boston Globe rapporté que plusieurs parlementaires démocrates qui déjà annoncé yo pas présent les que il a fait discours sur état union et 30 janvier qui a venu là devant parlement qui a rassemblé députés et sénateurs et là d'ailleurs gain parlementaire John Lewis qui sorti dans Georgie de qui était camarade lutte Martin Luther King l'année 68 il dit pas présent pour le temps des noms Trump ça vient parler devant donc climat politique là chaque jour il y a plus tension dans pays États-Unis entre Donald Trump et opposition démocrate là président l'autre fois encore lagué doute sous bonne foi démocrate concernant accord pour programme Dakar qui concerne plus que 700 000 jeunes que vous mettez dehors dans pays États-Unis un programme Barack Obama que le voulait écraser et je ne jodi à non tweet li fait connaître ces démocrates qui pas sous ça alors que li exigeait pour l'accepter pour jeunes ça arrêter dans pays États-Unis faut que accepter pour éliminer question loterie te qu'on permettre 50 000 monde chaque année te jeune résidence dans pays États-Unis mais tout faut que bâti et musac pour séparer États-Unis ak pays Mexique nous prêts nous voulons et nous capables pour nous joindre un accord sous programme Dakar qui concernait 700 000 jeunes qui étaient entrés petit ak parents yo illégalement dans pays États-Unis que gouvernement Obama t'a protégé pour étudier et puis pour aller à l'université apprendre métier grand pile là-dedans qui n'ont gros responsabilité déjà dans pays États-Unis et même penser que démocrate yo pas voulu pour nous arriver jeune entente ça d'après ça Trump déclaré semaine passée a grand juge fédéral dans Californie qui bloquait décision le prend pour craser programme Dakar en faveur jeunes yo et qui t'a doit entrer en application à partir du mois de mars qui a venir là échéance que il fixait par parlementaire yo pour joindre un compromis sous dossier ça pour lui-même législateur démocrate yo pas vle pour gain sécurité dans frontière pays États-Unis jusqu'à présent pourquoi gain aucune réaction gouvernement haïtien a pas note ça d'ailleurs elle t'est prendi et il était gain doute il peut croire que le président te dit ça c'est tout au conditionnel et notre ça qui pas signé te vini chef diplomatie haïtienne n'a pas jamais dit rien ni président tout et que tout pour d'attendre une déclaration dans bouche pas dit rien ni premier ministre pas grand quelle autorité tout yo au ça relé aux abonnés absents et puis bon côté l'autre pouvoir l'état autour pas gagné pouvoir l'état ni pouvoir judiciaire ni pouvoir et législatif qui prend position ensemble nous gagnons de individus de membres et sénat ou bien de membres chambre député qui exprimer tant pour nouveau président chambre député mais c'est qu'on a dit pour faire une réunion avec reste groupe yo pour ta gagner une position globale mais qui pas même une position parlement haïtien bon côté opposition tout et c'est quelques voix qui levé et bon côté société civile là tout donc et c'est des positions et gaillé que nous gagnons nous pas gagne de position structurée et sous ça passé. Donc président chambre député tout neuf là Gary Bodo député Delma dit li condamné déclaration raciste président américain Donald Trump fait contre Haïti et plusieurs autres pays sur continent africain, il déplorer une déclaration comme ça qui malvini qu'a sorti dans bouche un président hyper puissant tant que Donald Trump. Li mandé président américain ressaisir bureau chambre député a bien pour chita avec différents présidents bloc yo pour qu'a gon position officielle sous déclaration ça et qui choquant en pile mais c'est seule promesse Gary Bodo fait il pas même parler de pouvoir législatif là donc c'est chambre député il pas même parler de assemblée député il parler de président bloc yo donc on attendait qu'il te parler comme ça et dans micro Beethoven François fils c'est des déclarations extrêmement et mal
malheureuse. Donc c'est des déclarations que nous condamnons avec la dernière rigueur. Parce que je dis, le racisme est à bannir. Donc je dis, je pense à un pays comme les États-Unis qui gagne en histoire et à travers le monde qui est assez riche. Donc, pas oublier son pays côté, nous gagnons de bonnes relations avec le peuple américain. Donc les présidents passent, les ministres passent ou les secrétaires d'État et aux États-Unis, donc il y a passé. Donc la présidence de M. Trump, et c'est peut-être une mauvaise page et dans l'histoire des États-Unis, qui a fini par tourner. Donc nous pensons que ces déclarations qui ont été attribuées à M. Trump sont des déclarations gratuites qui n'ont pas apporté rien par rapport avec l'apaisement que ça supposé gagner entre les différentes communautés et au niveau des États-Unis. Parce que pas oublier les États-Unis, c'est pratiquement les peuples qui ont fait comment ce soit américain. Donc nous connaissons l'histoire des États-Unis. Donc viens garder par rapport à toute l'autre communauté qui vient, minorité qui vient aux États-Unis, je dirais, qui est très influent dans la politique américaine. Donc je dirais, nous pensons que c'est des déclarations et qui pas fait honneur à un président de la République. Donc, dans quel que soit écossais ou bien et pays où tu as supposé, donc M. Trump n'est pas à son coup d'essai. Donc, récemment, il y a New York Times qui a attribué une déclaration côté M. Trump, c'est haïtien qui va vivre ici, etc. Donc, nous pensons aujourd'hui, hein, c'est le moment et pour tout haïtien, vous comprenez, et mettre tête ensemble, c'est le moment pour que. On crie de ralliement par rapport à nos élites, par rapport à ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, hein, pour que nous vraiment dégager un consensus et en mettant nous pour que nous mettions devant le pays, pour que nous pensions haïtiennes, nous pensions gagnant-gagnant, qui fait nous tenir compte des priorités nous, et de travail avec les ressources nous gagnons. Donc je dis à l'image du pays à prendre beaucoup. Parce que, pas oublier que M. Trump, il y a des millions de monde qui a suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à travers les médias nord-américains, etc. Donc, on s'attend, il y a des réactions et très virulentes par rapport avec plusieurs pays. Donc, je dis, parfois, il y a des discriminations qui ont fait par rapport à tel pays ou bien tel autre pays. Pas oublier, nous sommes un peuple qui. C'est vraiment indépendance, nous, dans un contexte extrêmement difficile, les papiers nous fait, et de 1915 à 1934, et nous connaissons l'occupation américaine. Donc, je dis à penser qu'il y a des pages douloureuses dans l'histoire du peuple, nous, que déclaration ça a été attribuée à M. Trump. Voilà, c'est le nouveau président chambre député à Gary Baudot, non micro Beethoven, François Fils. Sous bon parle de député Cabaréa, Joseph Pades-Louis, qui est déjà signé avec l'autre collègue qui est dans le groupe député qui opposé et depuis samedi, et qui était depuis vendredi, qui a dénoncé déclaration et trompe-l'or, dit aller dans le même sens non, et rappeler position, groupe député, ça a été déjà exprimé. N'attendez toujours dans le micro Beethoven, François Fils. Seulement nous estimer et M. Trump fait preuve d'idée ignorant. Parce que qui fait nous dire ignorant? Parce que et il fait preuve également de ça n'est qu'à parler d'analphabète historique. Parce que on parle, le monde familier maintenant, rôle pays d'Haïti joué dans la question liberté, dans la question démocratie. Et il n'y a pas qu'à rôle, par exemple, haïtien était contribué dans, eh bien, aider, eh bien, américain pour être capable de prendre l'indépendance. La bataille de Savannah. Donc, comment qu'on y a là pour Trump à traiter nous? Eh bien, nous sommes un pays de bêtes. Donc, nous pensons que c'est condamnable et nous sommes condamnés à toute façon. Et ce qui est capable d'indiquer nous davantage, c'est l'un ou l'autre gouvernement haïtien fait sortir une note très légère. Côté, il fait une note à sortir au conditionnel alors que c'est tout le monde, un paquet de pays africains, à protester contre ça et de façon énergique et formelle. Et nous avons un gouvernement, eh bien, reste avec qui. Fait une note sautée de très faible qui a parlé au conditionnel. Frère Rondado, il a dit que est-ce que si Trump t'a fait des grands abris. Donc, nous pensons que là, c'est une opportunité pour Haïtiens capables, eh bien, et réveiller, pour y rendre compte, eh bien, nous avons un système
politique dans le pays, eh bien, qui fait que parfois international mal ouais nous, eh bien, nous avons un problème de dirigeants. Donc, le moment est venu maintenant pour qu'on prise de conscience au niveau national qui prend, eh bien, pour nous connaître, pour nous capables de relever, eh bien, vis-à-vis pays, relever la situation pays, pour nous cesser, pour ne pas demander, pour ne pas mettre à l'albaïbol et traîner bol nous face à grand pays. Donc, comment comprendre que, eh bien, en 1914, eh bien, l'occupation américaine, nous venons dans l'armée, et l'armée, ça a fait plusieurs coups d'État, et coup d'État, ça a responsable dans le malheur des Parisiens. Et 16 décembre 1990, c'est un gouvernement populaire, eh bien, qui montait démocratique, et nos élections libres et démocratiques, eh bien, il prend deux coups d'État. Donc, il y a un pays dans une situation côté économie l'année. Donc, il y a une façon que chaque Haïtien doit être fier de tête parce que c'est Haïtien. Et son pays qui est exploité par les puissances impérialistes extravagistes. Donc, c'était ça, il s'agit. Donc, il y a, comme président des États-Unis, et qui participait également à piller les ressources minières pays d'Haïti, pas capable de prêter nous dans le pays à mettre. Voilà, c'est député Kabaret qui est le rabat des familles Navalas, Joseph Manès Louis, et le sénateur l'Ouest, Antonio Chirami, qui dénonçait déclaration président américain Donald Trump, qui qualifie Haïti de pays de merde. Parlementaire plateforme et vérité a mandé peuple haïtien pas occuper Donald Trump parce que li pa konnen rien dans l'histoire pays États-Unis et l'histoire pays d'Haïti. Antonio Chirami mandé haïtien qui a vivre tout partout sous la terre mettez drapeau pays d'Haïti tout côté que vous voyez sous profil yo ak sous machine yo pour bay président américain une réponse. Sénateur Chirami dit li espérer dirigeant haïtien après déclaration trop plan pour lutter contre corruption et toute l'autre qualité mal qui est capable de ravager le pays d'Haïti, une façon pour l'autre pays capable de respecter. Nous avons le sénateur Antonio Chirami, Kato, qui a parlé comme ça dans le micro, Vinner Joseph. Nous avons dans différentes stations radio et télévision comment ça a touché le peuple haïtien et moi-même personnellement, comme sénateur, ça a touché tout. Mais je profite de déclaration ça tout pour moi dire peuple haïtien, il faut qu'il n'y ait pas gardé en Donald Trump, parce que c'est citoyen qui fait déclaration. C'est tout un système qu'il représentait. Et nous connaissons qui côté système ça a sorti depuis combien de temps il y a goumé pour diminuer nous, pour finir avec nous. Nous connaissons qui quantité coup d'État il a encouragé fait la carrière déjà. Nous connaissons qui quantité coup d'État électoral qui a fait dans le pays déjà. Nous connaissons tout ça il a fait déjà pour diminuer. Diminuer nous comme peuple. Eh bien, je dis à seul ça m'a dit, moi conscient que monsieur font déclaration qui touche m, qui touche chaque grain moun en de communauté, hein? Ni ça qui à l'extérieur, ni ça qui dans ville provinciale ou capitale. C'est normal pour ça, foisse yo. Mais n'a profité occasion ça tout. Faut que nous profiter de occasion ça pour nous dire, est-ce que nous pas tout profiter, mettre nous ensemble pour nous voir un signal? Je dis à m'ta bien aimé. Parce que ça, déclaration ça, m'pas vle nous prendre seulement parce que Trump dit, mais son occasion, yo ba nous comme peuple pour nous dire bon, qui ça nous-mêmes nous pral mettre ensemble pour nous voir un signal, pour nous dire bon, mais par exemple, nous avons un rapport au Caribe, le monde entier braqué sur nous, nous pouvons jamais avoir un signal pour qu'il dit, dans la bataille contre corruption, nous-mêmes nous pas dans tout, un signal pour qu'il dit, dans la bataille pour permettre que l'argent qu'il a pour faire développement de la communauté, nous pas pral encourager un petit groupe négant dans pays en prendre et puis on fait affaire par avec moi pense jodi hein Trump t'a pour Haïti belle c'est si nous t'ai ouvri si nous t'ai ouvri porte la balle pour te vin et piller ti l'on nous gagne les salle t'a pour nous belle si nous t'ai ouvri porte la balle te vin piller ti pétrole qui gagne par exemple zone cité soleil nous connaît ces zones qui sous grand goût qui gagne pile grand goût en pile insalubrité mais quand même nous connaît gagne pétrole dans zone ça jodi a li t'a bon pour nous si nous t'ai ouvri porte là pour blanc vinn prendre yo t'a prendre nous belle alors pas blanc non pour Trump vinn prendre yo t'a prendre nous son bel pays yo t'a prendre nous son bon peuple et bien n'a dit Trump li pa six. Est-ce qu'on va penser autorité ou responsabilité dans déclaration Trump non, puisque et presque tout côté passé pays a c'est saleté malpropreté tout côté même si nous connaissons nous gain des bagages pour nous reprocher ni et moun ki la jodi an yo ni en pile dans moun ki passé yo même si nous connaissons nous gain bagages pour nous reprocher yo mais ça qui est plus important
Ça qui est plus important aujourd'hui, c'est pour nous dire tu as une petite parole devant des SAO, pas qu'à faire nous oublier toute belle bagaille nous fait dans l'histoire. Mais nous-mêmes, tout pour nous profiter, réveiller, pour nous dire qu'il y a des bagailles nous ne peuvent pas tirer la caille. Par exemple, aujourd'hui, c'est le seul pays sur la terre où un ancien responsable d'État a avoué publiquement ses volets et puis toute société a chita gardé. Ça, m'a parlé de monde qui passait dans l'état et je dis à qui campait publiquement qui a dit oui au conscient yo se volé et mais qui ça au fait avec cob que yo volé le monde entier. Moi même comme parlementaire je dis à m'ka font déclaration le monde entier relé. Ça veut dire faut que nous très prudent à ça qu'a dit dans société hein, c'est pour chaque grain haïtien mettez sous profil yo drapeau haïtien pour rappeler Trump que yo connait histoire yo. Ou toujours sur Radio Kiskeya, on suivre un journal 4 ans, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre. Nous, on a salué tout internaute qui a pu recevoir sur www.radiokiskeya.com, quelque chose à côté. Et tout ça, tout qui a pu recevoir sur plateforme intelligente. J'espère demain, on est capable de rafraîchir mémoire sur qui numéro de téléphone ou capable de faire pour entendre la radio dans le côté courrier. Et nous avons un paquet de difficultés là pour faire ça jeudi. N'a prêté l'actualité internationale là, on va aller dans Abuja, capitale politique pays Nigeria. Nigeria c'est le plus gros pays africain pour population, il y a plus que 100 millions de monde. Et le gouvernement nigérian, c'est pas Niger et pas Niger non, nigérian et pas Nigeria. Et pas Niger, nigérian. Et gouvernement Nigeria. Il convoqué journée jeudi représentant ambassade américaine non pour lui donner explication. Sous parole président Donald Trump te déclaré jeudi que ce passé là et sous et immigrants haïtiens africains pour qui ça y a venu la caille bon pays de merde ça et sa ministre affaires étrangères Nigeria fait connaître ministère affaires étrangères Nigeria Geoffrey Oneyama et mandé et représentant gouvernement américain et classement d'abord et est-ce que c'est vrai président dit ça. Et non, déclaration présidente est faite. Elle dit que si toute parole ça, c'est la vérité, c'est des paroles qui blessent pour le continent africain, c'est soufflettes offensantes, inacceptables, d'après sa ministère des Affaires étrangères nigérien précisé. Donald Trump, d'après toute déclaration et monde qui était là, nous rencontrons avec élu dans le Congrès américain sur question immigration jeudi passé. Et d'après sa démocrate Dick Durbin est rapporté et qui a participé dans la réunion te fait connaître pendant de façon vulgaire il a traité peuple ça au pays ça il a répété ça plusieurs fois concernant Haïti et pays africain yo. Je dis encore Donald Trump qui empêtré contrairement à sa monde qui a défendu yo dit Donald Trump très empêtré dans dossier pour qu'on sorti Donald Trump jeudi lundi a encore fait connaître le sénateur Durbin et qui est responsable et qui dénaturé de façon totale capitale toute sa culture dit pendant réunion sur immigration jeudi passé dans Maison Blanche et que ça dit yo dans son ça y a nuit tout effort les mêmes l'a fait pour qu'il y ait un accord qui ait sens pour protéger jeunes immigrants que les dreamers yo et c'est ça Donald Trump a déclaré jeudi à même sénateur Dick Durbin. C'est lui-même qui dénaturé et toute parole que m'te dit hein, pendant réunion ça, c'est ça Trump écrit sur compte Twitter jeudi. Alors ce concernant même dossier ça, n'a noté que ministère affaires étrangères pays d'Haïti, dans note yo te sorti pas même annoncé yo t'a convoqué représentant gouvernement américain en Haïti. C'est ambassadeur pays d'Haïti qui a crédité dans pays États-Unis Paul Altidor qui t'a annoncé ça te gen pou te fait. Et une source information que me ka fait confiance dit effectivement que ça te fait et c'est chargé d'affaires qui t'est allé mais c'est bon côté américain information sorti qui dit que c'était un dialogue cordial pas de rien et qui t'est dépassé les bornes comme ça sans que gouvernement haïtien lui-même pas même pas un compte rendu de rencontre que t'est gagné avec représentant gouvernement américain en Haïti. Faut que nous dire passons. Chargé d'affaires actuel, chargé d'affaires gouvernement américain en Haïti et plusieurs et dans monde qui dans ambassade américaine, c'est des monde qui marié ak africain, des affaires non africain. Donc et voilà, mais gouvernement haïtien pas même publié teneur ni pas même bas information et sous soi-disant convocation tout à fait de représentant gouvernement américain
en Haïti. Yo citoyen qui sont professeur dans la Tibonite en Gonaïve, yo les Berlens Beland dans Kersin fait un geste symbolique samedi qui s'est passé là sous place Indépendance là côté le boulet visa américain gagné qu'a bout dans mois octobre là que le gagné visa ça ambassade américaine de Bali l'année 2013 qu'a bout 2018 dans mois octobre pour protester contre déclaration président américain. Il était invité journaliste pour venir assister GSA réprobation concernant déclaration président Trump. Contrairement à ça que tu dis, pas boule passeport haïtien, mais il boule visa de préférence qui t'a fini dans mois octobre 2018 là et sous place d'armes, place de l'indépendance, Gonaïve là dans pied Dessalines pour te démontrer comment lié estomaqué, li indigné et li fait connait li pas jamais aller dans pays États-Unis encore bien que petite li a vivre aux États-Unis, madame ni a monté descendre dans pays États-Unis et te gen monde sur réseaux sociaux le tout, il a demandé est-ce que c'est pas yon futur candidat, bon li pas répondre clair sur question ça et n'a attendé bon gen l'autre monde tout qui wè dans geste yon, yon geste qui ta ka mette nan geste yon député Gonaïve te fait qui entré dans l'histoire Kabesh et qui te protesté et qui te râle kokab dal te voye jete les occupations américaines ni pas de poté collé ak l'autre parlementaire mais c'était Kabesh ou bien Pierre Sully un grain et pas tout monde qui a jam prend route ça yo et gens que société a architecturé n'a attendé correspondant nous nan haut la Tibonite là Josué Jean-Baptiste pour plus de détails concernant geste ça pour montrer comment le fâché face à déclaration président américain Donald Trump fait côté le qualifié pays d'Haïti pays de Med professeur de lettres Saint-Berlin Saint-Beland retiré dans passeport page qui te gagné un visa américain li boulé page là sous place d'Am Gonaïve là devant pied Jean-Jacques Dessalines journée samedi 13 janvier 2018 là professeur Kessin cap enseigner français dans Alliance française Gonaïve là pat mette de l'eau dans bouche li pour dénoncer propos inacceptables qui pas suspendre sorti dans bouche chef Maison Blanche là contre pays d'Haïti ak citoyen li yo homme de lettres là qui promet pour pas jamais mettre pied dans pays États-Unis mandé ak autorité yo pour prendre décision à clair pour condamner attitude ak déclaration Donald Trump yo professeur Kessin Berlin Beland. Mais ça m'a dit Trump, faut tout connait leur arrière parent te sorti en Angleterre vienne coloniser Amérique te jeune amérindien yo là ou t'a colonisé yo. Les bagarres te commencé trop bon pour yo, il besoin prendre indépendance yo dans mais Angleterre. Parent pas moi-même, les affranchis t'a aller à Algoumé à Savannah pour aider États-Unis prendre indépendance. Si. Je dis à communauté haïtienne non et l'autre monde dans la peuple latino-américain africain moi côté nous sorti en Afrique. Il pas qu'à sortir dans pays de merde, dans pays latrine. Donc l'homme monde ou pays où sont tout latrine. Donc ou même c'est caca. Moi même pas je ne jodi a monsieur Jovenel Moïse qui c'est président que nous élu et l'autre monde qui dans parlement en tant que sénateur député yo ta doué relé ambassadeur américain en Haïti avec tout personnel consulat ambassade là pour déclarer personne non grata en Haïti on pas besoin besoin visa américain et on pas besoin mandel on te gon l'autre visa sous passeport qui expiré son visa européen il dit on pas gain visa qu'on y a on pas demander pièce mon visa même depuis devant on pas parler même zombie on pas parler États-Unis encore n'a fait connait professeur Berlens Beland Kessin te jeune visa ça date 30 octobre 2013 cap fini 28 octobre 2018 ça en tout cas déclaration président américain jeudi 11 janvier 2018 là dans Maison Blanche là déjà traîné derrière yon dividal action à réaction dans pays d'Haïti ak dans divers pays africains qui senti propos président Trump yo atteindre dignité yo comme peuple Gonaïve Josué Jean-Baptiste Kiskea. Oui, l'autre réaction, toujours par réaction de l'église catholique, par exemple, ni fédération protestante d'Haïti, ni secteur vaudois, mais le conseil national spirituel l'église d'Haïti, qui paraît en une note, je dis à mes saldis, conseil national spirituel l'église d'Haïti, CONASPE, condamné avec toute force li, déclaration président américain Donald Trump, en fait, concernant Haïti avec l'autre pays dans le continent africain. Lidi là j'en connais personnage ça que les trop plan ça pas étonné du tout d'ailleurs nous connaît des situations et aussi méprisables intolérables et comme ça depuis plusieurs années spécialement gens que compatriotes nous a vivre dans série et de pays tant pour l'autre bord frontière donc conseil là dit il considérer parole ça qui c'est des insultes qui déshonorer et président américain comme une occasion sans attendre qui tombait pour peuple haïtien t'a ramassé cartel et puis ramassé destin dans main et dans la bible parole grand maître là
enseignez-nous et à clair et depuis le commencement bon Dieu t'a créé ciel là à terre et c'est lui-même tout qui créé les hommes qui semblaient à lui Genèse 1 et jusqu'à 2 et sous plan spirituel et moral notre cap parler toujours personne n'a pas droit pour traiter image bon Dieu comme de ravette parce que mot en anglais président employé chitola que président utilisé tout pour nous le dit et l'elle comparer pays noir que nous citons en main à ça et c'est une déclaration raciste un monde qui arrogant qui malgré l'âge ni malgré position occupée pour qu'on jamais rencontrer avec ça et les sagesse pendant qu'elle espérait que tromper d'après sa note n'aura possible pour le dire et tout haïtien conséquent gain pour devoir et pour bouter ça qui sont merveilleux pour nous qui c'est la caille pas nous pour nous caresser quel que soit temps que nous passer dehors la caille a toujours été la caille c'est la caille ça rappelle nous président haïtien si génération dans commencement 19e siècle la génération ça qui t'a pral bail pays à indépendance t'a écrit l'histoire et l'histoire décrit chapitre parle dans histoire l'humanité oui génération qui la journée aujourd'hui capable changer route Haïti après nous connaît qui s'est dégringolé et pour nous mettre Haïti dans notre cap parce que nous-mêmes en 2018 là il y a des gros décisions de changement qui doit prendre oui nous capable faire d'après ça organisation précisée les dit tout et selon et ça qui dit dans la Bible et dans Somme 33 verset 12 et bienheureux tout peuple que l'Éternel c'est bon Dieu bienheureux tout peuple et que li choisi et pour héritage li et qui choisi héritage li bon Dieu que bon Dieu bénit Haïti et c'est docteur Françoise Saint-Ville et Saint-Villier et qui PDG Conseil national spirituel des églises d'Haïti et CONASP et qui signe notre ça révérend Guy Roméus porte-parole à révérend Daniel Exantus secrétaire général qui signe notre ça et notre et CONASP et puis une plateforme petite de Saline dirigeante réagit dans micro nous mais il paraît une note mais ça dit petite de Saline condamné à toute force li force courage li déclaration président américain Donald Trump fait sur Haïti et l'Afrique et côté il qualifier pays ça de chitol et dans petite Dessaline nous recevoir Calotte Silla avec en pile indignation en pile tristesse mais tout nous souhaiter que li servi nous tout peuple haïtien sans distinction comme booster pour lever escamp figu non nous songer côté nous sorti côté nous yé côté nous voulait arriver à pays nous pour ça faut que nous faire bon choix politique et économique pour nous craser système pourri ça et puis bâti un autre Haïti qui chita sous idéal de salinien côté tout monde jeune parce que li pas normal pour 4% dans population ramasser contrôler 66% dans toute richesse pays a gagné nous voulait rappeler c'est toujours notre la cap parler que depuis le nous tenant parlement alors c'est sénateur Moïse qui signe en tant que leader notre la cap leader parti cap parler qui écrit notre et rivé dans campagne électorale quand il était candidat pour président et nous toujours te dit peuple haïtien ramasser caractère li défendre dignité intégrité la souveraineté et combattre ingérence pour chercher autodétermination comme peuple hélas personne pas t'entendait le nous te dit et c'est coopération sud-sud et cap bon pour pays a faut que nous entrer dans production nationale pour nous grand monde tête nous pour l'autre pays pas dénigrer nous je dis à Jovenel Moïse pas gain force pour défendre dignité et intégrité peuple haïtien il pas qu'à condamner une déclaration patron ni fait parce que ce système impérialiste dans la défendre c'est pas Haïti c'est toujours notre là qui parler qui porter signature et sénateur Moïse c'est peut-être ça nous déclarer que américain contribuer dans mettre Haïti sous la graba avec l'état 1915 donc la paix d'occupation et qui fait Haïti pas jamais qu'a prendre destin nan main et jodi a yo pas content parce que n'a calé genou di bon formule ça que un peu mon a utilisé mais on connaît origine non
qui pas tellement noble, nous pas égaré et yo saisi yo paix. Donc et petite Dessalines pardonner président Trump parce que c'est manque connaissance sur l'histoire pays qui fait lui accoucher yon mot sale comme ça pour le rabaisser dignité peuple haïtien avec peuple africain yo. Et si li te konn l'histoire États-Unis, li t'a dit plutôt merci Haïti parce que nous te contribué dans bataille pour indépendance États-Unis. Petite Dessalines a fini pour remercier peuple américain pour position officielle yo commencé prend contre déclaration raciste président et Trump et li remercier tout diaspora qui mobilisé et pour remettre li mon en pièce li. Et mais petite Dessalines remercie tout président Trump parce que li souke conscience ak dignité peuple an li bali yon lot coup terre bandine et pour le combattre pressé en dedans coup dehors tout ça qui empêchait Haïti avancer. Nous même petite Dessalines nous voulons rassurer peuple an Haïti pas péri, vive Haïti premier pays nèg dans monde là. Et c'est Moïse Jean-Charles qui fait déclaration ça dans date 12 janvier, c'est jeudi à nous recevoir. Et puis gay coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan qui va mettre le don en bouche li pour réagir sous déclaration président américain, il croit c'est une indécence pour un président à parler comme ça de l'autre peuple. Et tout le monde doit camper contre ça, d'après dirigeant collectif 4 décembre, M. Argan, qui parlait de une note, et collectif la mettait dehors pour exprimer indignation. N'attendez le micro, Beethoven, son office. Et qui ont indécence, qui ont des limites à l'indécence, que c'est seulement des monde des vagabonds, c'est ignorant, c'est des monde qui n'ont pas gain, aucune compassion. Ils ont des limites à le franchir avec une arrogance. Vraiment qui est en plus doublé dans une logique totalement démagogique. C'est le 11, la veille du jour national de terre en Haïti, que le président Trump s'est laissé aller à penchant profond et il était insulté avec vulgarité par les haïtiens. Nous disons que personne ne va être étonné. Et c'est pas sûrement la présence des diplomates américains ou les délégations d'officiels qui ont fait nous et vraiment qui ont effacé la réalité faite. Donald Trump, nous dit, au moins l'humanité américaine était claire lorsque ouvertement qui montrer que son monde qui est raciste, qui est xénophobe, de qualifier Haïti de pays de merde. Enfin. Ensuite, nous sommes face à une nouvelle affront ça. Et malgré que ça pose la caille, nous avons envie de rejeter vraiment, mais tout en vie, ça y est. Il y a à la longue, il n'y a pas estompé, mais ça, il y a pas aller. Et ça, je vais aller vraiment. C'est parce que nous, c'est ça. On vit de rejeter ça. Mais nous, il faut nous cultiver jusqu'à ce que nous disons que ça va arriver encore. Maintenant, là, nous prenons une décision. Ça. Nous disons que bon, ça n'a pas de chance pour nous changer. Parce que nous disons dès que nous continuons notre là, tout autant que dirigeons nous, tout autant que nous pouvons nous-mêmes, que nous ne sommes pas capables de transformer la société haïtienne. Société haïtienne a fonctionné sur un cynisme, c'est sur la capacité d'un bon monde qui a manœuvré, aventuré politique, nous, et puis de savoir faire, et jamais se flibustier de tout acabit. Tu n'es là qu'à nous continuer, nous avons toujours continué à subir à fond pays étrangers, notamment ces pays amis. Voilà, c'est coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, non micro, Beethoven, François Fils. Et puis, bon, c'est dans tout niveau, déclaration à venir, bien que pas coordonné, c'est pas, et y a pas structuré, Jacques Dédila, qui représentait tel groupe additionné ensemble, qui t'a cabaye une force totale concernant un pays, mais chaque grand citoyen, suivant diverses analyses qu'elle est capable de faire, décider, réagir. Par exemple, Nicolas,
et Carl Gérard, qui est président de l'Organisation et l'Initiative citoyenne pour l'intégration de la jeunesse, ICJ, ICIJ, avec Claudin Blondel, qui est dans la même organisation. Ça. Donc, yo même yo quoi, et c'est réconciliation qui doit faire, et c'est ça que la cause, je ne j'en dis pas, parce que le pays a fun, et que le président américain joue une route pour le passé, et qui, parce que dirigeant pays d'Haïti est coupable de gens qui ont traité pays, qui la cause est trop qu'à parler comme ça de Haïti, n'a pas d'opinion. Je dis, le mot qui fait que nous passons dans la radio-télé, qu'est-ce qu'il y a, vu que, avec la déclaration président États-Unis fait, ok, Donald Trump, nous-mêmes, en tant que responsable organisation, nous sentons conscience nous réveiller nous, pour nous bail dirigeants haïtiens yo yon conseil message que nous vinn porter là c'est réconciliation nous vinn demander réconciliation c'est que message que Sonia Abdel Pété qu'on a prêché à que c'est dialogue national là nous vinn demander que les arrivé vrai il va te besoin tant président États-Unis en fait nous conscience nous réveiller nous et ben jodi hein, en tant que citoyen qui a vivant dans la communauté hein, nous demander que chaque grand haïtien prend conscience oui nous fait pays à tort pour nous dire réconciliation est possible dans le moment donc ça pour me ajouter selon déclaration de Donald Trump là ça veut dire que son frustration liée c'est justement déception pas qu'à direction parce qu'on le veut au nom de Donald Trump pas dire qu'il n'y a raison ni tort parce que c'est dire grand haïtien qui a la cause parce que les gens ne sont pas en cas de jeunesse ça d'abord. Il faut finir pour pouvoir partir parce que son pays écrivait seul à lui-même. Au contraire, déclaration de Donald Trump, il n'est ni fâché ni content. C'est peut-être pour nous ramasser 4 heures pour comprendre que nous avons dirigé le pays. C'est parce qu'il a fait la vote pour tout le pays à partir de l'autre pour le bagage et à l'équilibre pendant que c'est un jeune ça. Mais tout ça n'est pas bon. Ça veut dire que déclaration de Donald Trump lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas ni content ni fâché. Pourquoi ça n'est pas ni content ni fâché? Parce que c'est le dirigeant nous qui a la cause. C'est depuis qu'il finit pour pouvoir. Le livre pays a assez pratiquement fait gaffe votre économie, pour tout capital économique pays à l'autre bord avec nous, parce que ça va nous négliger pays à livrer seul à lui-même. Il n'y a pas de problème d'encadrement, mais c'est ça qui cause. Voilà, c'est deux dirigeants d'organisation de base SAIO, et Nicolas Carl Girald, président de l'organisation Initiative citoyenne pour l'intégration de la jeunesse, ICIJ. Et puis Claudin Blondel qui membre même organisation et Solimon qui c'est membre organisation politique embarqué pour changer qui condamné à toute force déclaration président américain Donald Trump fait et dans ce sens il annoncé dans jour cap venir là organisation de base yo yo pral faire une marche pour aller bout devant ambassade américaine là pour demander administration américaine là suspendre faire mode déclaration ça sous pays hein? Et n'attendez qui t'ai parlé comme ça c'est Ernst Soliman nous même nous lever voix nous bien haut pour nous condamner avec toute force nous de mode déclaration et délinquance ça que chef d'état et Donald Trump fait côté que nous même en tant que citoyens avec citoyens qui c'est en même temps responsable politique organisation politique dans le pays hein? Nous prenons la déclaration de Donald Trump là au sérieux et dans le jour qui vient là autour, nous-mêmes avec toute notre organisation, nous allons faire marche pour aller devant l'ambassade américaine pour demander avec l'administration américaine. Là. Tant pis, s'il vous plaît, si ce qu'on fait, mode déclaration, ça a côté qui a insulté frère nous haïtiens, même j'en ai fait pour Africains, même j'en ai fait pour Salvadoriens, côté que tout pays, tout le monde là, choqué par la déclaration terrible ça, que M. Donald Trump fait. Voilà, c'est représentant embarqué pour changer Ernst Soliman. L'autre déclaration sous déclaration de Donald Trump, c'est Edouard Seffler, porte-parole organisation des blocs opposition démocratique board, qui dénonçait et déclaration raciste président américain Donald Trump fait contre pays d'Haïti. Dans ce sens, il lançait un appel à la population pour répondre et président demain et sous place Dessalines. Pour bailler président américain une réponse concernant vieille déclaration ça il fait contre intégrité peuple haïtien. N'attendez Edouard Saint-Fleur porte-parole bloc opposition BOD. Eh bien, je vous dis, nous constatons à travers une déclaration raciste
que le président américain, qui c'est M. Donald Trump, fait, côté qu'il déclaré, et tout immigrant haïtien, tout haïtien, c'est déchets, c'est fatra. Et n'a pas dit, ce n'est pas pour la première fois que des citoyens américains ont fait ensemble des déclarations. Et n'a pas rappelé, et en 1983, il y a des citoyens américains qui ont déclaré que c'est haïtien qui bail sida, qui bail katache dans le monde. Et bien, dans ce sens-là, nous-mêmes, dans le bord qui se bloque opposition démocratique, nous lançons un grand appel à toute population haïtienne, Zanana Koupingouin, Piti Koubo, pour y répondre présent mardi 16 janvier 2018, sous place Papa Dessalines, pour nous faire Donald Trump, dans le cadre d'un gros rassemblement à faire, pour nous faire Donald Trump, une réponse par rapport à la déclaration raciste qu'elle fait et qui contre intégrité, souveraineté, peuple haïtien. Pour nous dire à Donald Trump, c'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui compte faire l'histoire, nous avons toujours fait l'histoire et nous avons toujours été un peuple libre. Eh bien, c'est qui est-ce qui t'a parlé comme ça, Edouard Saint-Fleur, porte-parole aux organisations et les blocs opposition board et sous déclaration de Donald Trump. Alors, déclaration de Donald Trump, il y a une déclaration, il y a tout système dans tout, il y a un personnage de Donald Trump. Il y a une recherche, une analyse qui a fait tout sur le système de démocratie libérale, tant pour ça qui est en application dans le pays États-Unis. Et puis, Vin jeune après mur Berlin a été tombé et que le bloc soviétique a été écrasé. Et dans ça, il y a eu des analystes, des théoriciens qui étaient même quoi que c'est ça a été révélé la fin de l'histoire. Et c'était par exemple Thèse et Francis Fukuyama qui était écrit comme ça, mais je ne veux dire que toute une série de l'autre chercheur, de politologue et dans l'université américaine tankou Harvard qui fait des recherches pendant 25 ans et qui vini avec de analyses et qui a démonté Thèse et qui montrait tout démocratie libérale là s'il a continué comme ça le porter dans les propres gemmes destruction et dans ça a comparé à analyser comportement président américain tankou président Donald Trump. Par exemple, il y a des signes qui ne sont pas trompés. Démocratie libérale, l'on li affirme et tout le monde doit égal égaux devant la loi. Mais c'est dans la même pratique démocratie ça. Et bien, gouvernement, yo, de plus en plus, il y a une politique qui a baillé inégalité sociale. J'arrête, qui a créé plus pauvres dans le pays. Yo, même, il y a pour l'autre côté. Et moun, matériellement, il y a plus pauvres chaque jour plus. Donc, il y a créé une nouvelle aristocratie. C'est votre peuple qui mettez au sous pouvoir qui ba légitimité yo, mais c'est même gouvernement ça yo, gouvernement libéral ça yo, qui a faibli engagement citoyen yo, engagement civique et qui a poussé moun yo non individualisme forcené. C'est ça Patrick Denin écrit qui a répondre et qui a crasé Thèse et Francis Fukuyama qui t'a écrit il y a 25 ans. Et puis tout yo dit que pouvoir et c'est surtout pouvoir président l'aile sous pouvoir c'est lui même qui est plus important c'est présent il a glorifié l'aile là ça qui t'est passé avant pas gain important ça veut dire l'histoire pas gain important ça qui va venir demain pas important bon tandis ça pas un président yo nous en Haïti grand pile monde qui allergique à l'histoire pays d'Haïti de monde parler de ça yo doit passer issouyé et que c'est l'avenir n'a parlé présent doit besoin parler de bail comme ça donc yo nous c'est que Mac fabrique série de et moun et libéral yo et sous pouvoir qui a détruit encore propre système yo mette campé sous bien. Alors que tout un débat dans gros université yo et surtout aux États-Unis, mais je ne veux dans pile européen penser que yo pas ka faire économie de débat ça. Yo penser en Europe en général et en France en particulier, le a sonné déjà pour yo et concernant débat ça qui a fait en Amérique dans université yo parce que yo exposé à même danger puisque c'est même type de pratique gouvernance que yo gagné. Et yo croit que faut que pencher sous de telles ça. Par exemple, il y a un autre livre deux politologues américains fait sorti là deux professeurs à l'université Harvard et qui c'est Steven Levitsky et Daniel Ziblatt. Deux politologues qui a analysé comportement gouvernement et journée jeudi il arrivé dans niveau, il commence à regarder Donald Trump qui pral gain un an et démocratie yo dou il y a des signaux li voyez qui capable dou li en danger. Et il y a quatre signaux particulièrement pour nous suivre. Même si vous êtes démocratiquement, les avez dirigé, vous n'avez pas dirigé démocratiquement. Vous n'avez pas respecté les règles fondamentales de la démocratie chaque jour.
y a essayé prendre liberté à démocratie, a passé sous côté, y a fait route découpé et ça son danger le représenter son un clignotant qui doit attirer attention tout le monde qui est dans le système démocratique. Fait qu'on est même gouvernement ça yo sur camper sous bit pour contester légitimité toute opposition qui campait en face yo. Et yo si tiré zak violence. Yo danser collé à li. On a des diverses formes de violence. Que des pays qui a fait violence voyez tout yo voyez assassiner, que des l'autre c'est fake news. Yo fait mauvaise nouvelle sou et que tout qualité niveau de violence. Donc yo dou si tiré pour te coller à violence. Yo mette liberté publique yo en bas pression. Et yo sorti pour mettre babouquette dans bouche la presse. Son l'autre signe, ta fait troisième signe, deux politologues. Ça veut dire, depuis où est ça? Il dit, attention, citoyens mobilisés. Et il a sorti pour contrôler tout ça qu'il a dit dans les médias. En étant Nixon, qui a franchi deux dans quatre clignotants dans l'affaire Watergate, là, d'après ça, deux politologues, il dit, eh bien, pas aucun président américain pendant un siècle qui s'est passé là, qui jamais osé faire ça. Et pourtant, le président américain qui a seulement 12 mois, depuis le rivé dans Maison Blanche, non, les gars ont fait tous les quatre ça nous dit là. C'est ça, deux politologues américains ont écrit dans le livre qui fait sortir là, qui a fait débat, et que en France et en Europe, tout le monde a penché sur ça. Je crois que c'est même travail là qui pour faire tout en Europe et concernant débat sous vitalité démocratie et danger qui menace eux, qui capable de porter j'aime destruction dans yo. Deux politologues, ça c'est Steven Levitsky et Daniel Ziblatt. Politologue, professeur dans l'université Harvard. N'a pas venu à l'autre point d'actualité, DCPJ, jeudi, dans la conférence pour la presse, dans le local de Clercine, présenté Jonathan Serville, Jules Maire Jean-Louis, Philogène Jocelyn, et Jean-Louis, comme des mouns qui t'a assassiné par Joseph Simoli, jour qui était 21 décembre. 2017 là sous votre frère. Selon porte-parole en après, police nationale inspecteur principal Gary Desrosiers, dans conférence pour la presse, il fait qu'on ait autopsie, il fait sous corps Père Simoli révélé c'est un seul balle que Père te prend. Alors que contrairement et information qui est sortie dans la police même, te parlé de 6 balles de débat Père. Et concernant critique quelques dirigeants et observateur organisation droit monde tant par exemple Pierre Espérance directeur exécutif NDDH fait et sous porte-parole en après-hier qui parlait dans la police et côté avant rien depuis que monde mouri en bazam il toujours fait connaître c'est braquer monde parce que était soutenu activité et transaction la banque et Gary Desrosiers fait connaître en général c'est premier élément information concernant Zach Sayo il toujours gagne au la presse sans lui pas confirmer rien. Et n'a pas coûté porte-parole en après police nationale là inspecteur principal Gary Desrosiers conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Assassinat Père Joseph Simoli 54 ans, il y a une grosse avancée qui fait sur enquête là au niveau de la DCPJ et enquête là la continuer pour que nous capable arriver arrêter mettre la colette by la justice tout le monde qui impliqué dans assassinat Père Joseph Simoli 54 ans. DCPJ arrêté 4 personnes, dont exécuteur Jonathan Serville, qui continue donc les Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville. Jean-Louis Julmer, qui continue donc les exempts ou timulâtres, qui fait le 10 septembre 1986, Tempérin. Jocelyn Philogène, qui fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, qui fait le 8 janvier 1986, Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM. Association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, ça, DCPJ confisqué deux motos, également un revolver de calibre 38 dans le cadre d'opération que DCPJ saisit dans les bandits, notamment dans les mains Jonathan Serville. Selon le rapport autopsie, Père Simoli prend une balle au niveau bois Gouchelet qui passé dans la cage thoracique. Balle logé dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tuait Père Joseph Simoli. Pour le moment, transmission procédure partielle là et présumé bandit, il va transférer dans le parquet
côté que la justice justement gagne un travail pâle pour le bref fait et enquête là la continuer dans quatre dossiers ça. N'a noté bandit ça que nous présenter là et l'autre que n'a recherché dans quatre dossiers ça. Monsieur Sayo impliqué dans assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli jeune le 2 avril 2018 Delma 95 2017 pardon et impliqué tout dans assassinat qui était fait sous Frédéric Vio le 5 juillet 2017 Delma 83. Paul y a parlé de 6 cartouches que il a pas recevoir puis qu'il des marques de visibles sous tête. Alors moi-même moi cite justement rapport autopsie. Et c'est très professionnel, il est capable justement et DCPJ justement de participer dans le rapport A et c'est ça justement rapport autopsie hein. Bah, nous capable référer nous à section ça qui est au niveau de l'hôpital général, il a dit nous exactement ça que nous sommes là. Malheureusement, Père Simoli mourit et c'est un balle que le déprend, qu'il touche son côté vital et qui provoque une hémorragie. Assassinat Père Simoli il provoque de réactions et de critiques. Et justement, par rapport à la première déclaration des faits, vous avez dit que c'est braquage. Et il y a des gens qui critiquent, notamment des expériences du RNDDH. Le grand assassinat fait, la police, là, à travers ou même courir dit c'est braquage, comme quoi. L'on moun mouri c'est braquage, c'est normal. Qui soit répondre par rapport à critique ça? Comme si son banalisation de la mort. Mais du tout ça pas. Ça moun yoti. Du tout pas. Et m'a pas croire que la police t'a doué, ou bien même personnellement t'a banalisé au moun qui mouri parce que l'on moun mouri il touche tout le monde. Touche toute famille, toute société. Hein. Et nous t'ai bien dit, c'est premier élément information. C'est pas enquête là qui te dit. Et il m'a répété. Généralement, dans le cas d'assassinat, les crimes, il y a plusieurs versions qui viennent joindre la police. Et la police doit considérer toute version pour être capable de chercher la vérité. Nous pas de banaliser. Dans la transmission, justement, et des informations, hein, et ils sont capables de prendre dans le sens ça et l'autre sens tout. Mais généralement, c'est le premier élément d'information parce que les actions faites bah là, mais tout simplement y ont voix qui autorisée qui pour parler d'un événement d'une situation quelconque. Mais c'est pas dans mes habitudes qu'on m'a banalisé la mort personne. Voilà, c'est porte-parole en après police nationale là, inspecteur principal Gary Desrosiers, conférence pour la presse qu'on a fait bilan année 2017 là. La police a arrêté 588 monde, il saisit plus passé 48 kg cocaïne, plus passé 954 kg marijuana, 30 000 dollars américains, 45 000 euros, plus passé 1 million goud, 46 machines, 20 motos, 92 armes, 2 bateaux et 3 cailles. Et ce bilan, diverses opérations, la police menait, et selon l'inspecteur principal Gary Desrosiers, dans la conférence pour la presse à jeudi, à côté Robinson Henry était présent. Il y a de ça quelques minutes, selon toute information que nous gagnons, et une équipe justement au niveau police scientifique, car dans un an, l'assemblée inspecteur de police, Saint-Ima, Don Fred, t'a tué tête li dans tabac 27. C'est ça pour le moment que nous avons comme information. C'est certain que une enquête qui a ouvert au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Une affaire traitée pour l'année 2017 au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 588 personnes qui sont interpellées. Il y a 329 personnes qui sont recherchées. 428 cas résolus, saisis. 48,118 kg cocaïne, saisis. 954,5765 kg marijuana saisi, 30 000 dollars américains saisi, 45 000 euros saisi, puis passer 1 million de goudes saisi par la DCPJ pour l'année 2017 là. Il y a 46 véhicules qui confisqués, 20 motos, 92 âmes, 2 bateaux, 3 maisons confisquées. DCPJ arrêté Noël Austin, 74 ans, et arrêté lui. Mercredi 10 janvier 2018, là, il était en possession 3 kg cocaïne. Arrestation a fait à l'aéroport. L'Itabral prend vol à bord JetBlue, direction Fort Lauderdale. Dossier justement qui a dominé l'actualité, hein, et semaine passée, hein, qui a dominé justement l'actualité, hein, c'est. Mm-hmm.
Oui, porte-parole, on a pris police nationale là, qui t'a parlé comme ça, inspecteur principal Gary Deosier. Juste avant nous camper, il y a un tremblement de terre en Europe, nouvelles assorties à Athènes, capitale pays la Grèce. Un tremblement de terre, force c'est 4,3 sur échelle Richter, selon l'Institut géologique américain, qui fait qu'on a un tremblement de terre, ça a souqué la Grèce à Souéa. Il a besoin de 8h, 10h, besoin de 2h comme ça, 2h30, pas bon ici, 8h30 comme ça dans la zone de la Grèce, sans que pas de monde qui blessé ni pas de dégâts d'après première information. Tremblement de terre, ça, 8h30 du soir, 2h30 en Haïti. Il était senti dans la capitale là, Athènes, avec toute zone qui est tout près de Lyon, et il était déclenché à la machine, et d'après ça, témoin fait qu'on est. Et Gerasimos Papadopoulos et qui sont chercheurs dans l'Institut géodynamique ville Athènes qui fait qu'on dans télévision publique Athènes ERT que dans un tremblement de terre était localisé tout près côté les marathons et dans sud-est et ville Athènes et il dit que il était entre 5 à 10 km dans profondeur d'après précision le bail. La Grèce régulièrement gagne tremblement de terre et mais puis fort là dedans yo pas la cause gros dégâts mais te gagne secousse 5.9 qui t'est arrivé tout près Athènes en 1999 qui t'est la cause 143 monde t'est mort. Faut que tu dis dans week-end là te gagne un tremblement de terre 7,3 sur échelle Richter qui passait dans pays Pérou. La forêt campée.